On sent déjà les dégâts. On sent également qu'il y a eu effectivement des violences. Mais sans pour autant que je puisse vous dire quoi qu'il a eu au ministre, je constate d'abord le tour du parcelle et puis je vais demander à certains témoins qui étaient présents, c'est à eux de pouvoir nous relater la vraie version. Pour l'instant. Nous sommes en direct de la résidence. Qu'est-ce qu'il y a eu au juste, papa? Il y a eu réunion aujourd'hui de la CEP, le président Chakmen, et la convention. Je cite, c'est le président Wakwenda. Il nous appelle pour dire, écoutez, vous nous accompagnez à la permanence pour leur installation. Oui, d'accord, nous, en tant que gars, ils avaient d'abord leur sécurité, la force du progrès. Ils ont appelé notre cordon pour dire, écoutez, vous nous portez encore une main forte. Que les gardes viennent, nous allons à la permanence. Mm-hmm. Nous sommes sortis, papa. Arrivés juste dépassant, disons, Foleco. Il y a eu la gaz, disons, les gaz lacrymogènes. Mm-hmm. J'ai fait tout pour évacuer Wakwen. Arrivé ici à la permanence, c'est après que on voit la police qui sécurise la permanence et quelques gardes, les combattants, venir maintenant nous attaquer. Donc il y a eu la représaille. Terrible, papa. Terrible. Bon, en fait, vous accusez qui? Les combattants ou la police? La police, papa. Bon, ok, on continue avec le témoignage et puis on va voir. C'est bien. Vous sortez tous dehors. Dans la vie, tout le monde. Il y a eu la main, vous l'avez battu.